Au début des années 1900, les nombreux projets d'agrandissement du port de Dunkerque allaient solliciter la partie ouest de la côte. C'est donc tout naturellement que M. Van Covenberghe orienta ses recherches sur la partie est, c'est-à-dire entre Dunkerque et la frontière belge. Malgré ses nombreuses occupations et responsabilités, il prit le temps d'étudier avec minutie le terrain, et on le vit souvent cabriolé, arpentant les plages afin d'étudier l'emplacement idéal du futur sanatorium. Ne ménageant ni son temps ni sa peine, M. Van Covenberghe se décida pour la plage de Zuidcot. Rapidement conforté dans son choix par un rapport du docteur Nippias, considérant qu'à Zuidcot la plage était saine et l'affleurement argileux insignifiant. La végétation y était d'essences diverses et variées. Une station de chemin de fer existait à proximité. La nécessité d'isoler les tuberculeux, loin des agglomérations, était sans doute un élément lui aussi favorable. En conclusion, la plage de Zuidcot serait, après nivellement, utilement choisie pour y établir le futur sanatorium. Après de nombreuses et difficiles tractations auprès d'une dizaine de communes et particuliers propriétaires des terrains, M. Van Covenberghe finit par acheter sur la plage même de Zuidcot un domaine de 80 hectares avec façade maritime de près d'un kilomètre. Le terrain acquis, il restait à établir le financement du projet. Ainsi, les travaux de construction n'allaient pas pouvoir commencer tout de suite. Il fallut donc préparer le terrain par le nivellement et veiller à lutter contre l'ensablement par la plantation de plus de 4 millions de pieds d'oya ainsi que des milliers de peupliers et de sureaux. Le terrain acquis à Zuidcot était assez vaste pour répondre à tout le programme que s'était tracé le conseil d'administration. Recevoir jusqu'à 1500 petits malades, transfert du sanatorium et de l'hôpital maritime de Saint-Paul, construction d'une ferme. Le domaine devait être relié à la gare de Zuidcot par une large avenue en ligne droite. Sur le front de mer, on établirait une digue qui serait comme le trait d'union entre celle des deux plages voisines, Malo-les-Bains à l'ouest et Brédune à l'est. À ces dépenses devaient s'ajouter les frais de raccordement à la ligne de chemin de fer de Dunkerque à Furnes, pour acheminer bien sûr les matériaux et par la suite faciliter l'arrivée dans le domaine des malades. Il fallait prévoir le déplacement du sémaphore situé au sommet de la tour de l'église ensablée qui devait être construit sur la digue pour que les nouveaux bâtiments n'en masquent pas la vue aux marins en haute mer. Construction d'un passage à niveau, d'un boulevard d'accès, quelle que soit la bienveillance de l'État, on ne pouvait songer à lui demander par un concours direct les subsides élevés devenus nécessaires. Le financement, sans grever le futur prix de journée des malades, restait une préoccupation du conseil d'administration. Celui-ci eut l'idée d'une loterie. La loterie, interdite en France, peut à la suite d'une résolution de la Chambre des députés être autorisée en faveur des victimes d'un désastre public ou pour venir en aide à une fondation dont l'importance sociale est indiscutable. C'est grâce à des personnes dévouées, et en particulier M. Florent Guilin, député de Dunkerque, ancien ministre des colonies et membre du conseil d'administration du sanatorium, qui a 2 reprises pris l'initiative de déposer au Parlement des projets de loterie en faveur du sanatorium du Nord. Ainsi, les sommes nécessaires à la réalisation du grand projet de Zuidcot étaient assurées. Les dépenses engagées pour la construction et l'aménagement du sanatorium s'élèveraient aujourd'hui à près de 45 millions d'euros. Les fonds provenaient des loteries, des sommes récupérées par la cession à l'État des constructions de Saint-Paul, 2 dons de particuliers et enfin de subsides du Paris Mutuel. Ainsi, au printemps de 1902, débutèrent les premiers travaux du nouveau sanatorium. C'est le fondateur lui-même qui dessina le plan d'ensemble de Zuidcot. George Van Covenberghe s'appuya pour cela sur son expérience de 13 années à Saint-Paul, mais aussi sur l'organisation de l'hôpital maritime de Middelkerk. Globalement, son plan fut respecté, à quelques exceptions près. Ainsi, les préaux côté garçons et filles, ainsi que l'église ne furent jamais construits. Ce sont les architectes parisiens, Mestras et Berger, qui validèrent le plan définitif du sanatorium. Les premiers bâtiments construits furent les conciergeries dans lesquelles les entrepreneurs installèrent leurs bureaux, très pratiques pour organiser et surveiller le chantier. L'une de ces conciergeries deviendra plus tard le pavillon d'accueil pour les admissions des enfants malades. Le domaine du sanatorium représente un grand quadrilatère de 900 mètres de largeur sur 750 mètres de profondeur. C'est dans cet espace que débutèrent les travaux du sanatorium. Travaux immenses, on le sait, beaucoup d'ouvriers belges furent embauchés à l'époque et c'est par train entier qu'ils arrivaient à la halte de chemin de fer.
Les briques arrivées par péniche au pont de Zuidcote en provenance de Calais et de la Madeleine étaient amenées sur des chariots tirés par des chevaux. Avant d'être utilisés, ils étaient empilés dans des wagonnets, puis amenés au sanatorium. Le problème majeur dans la région fut pour les constructeurs l'assise sur le sable. C'est pourquoi les fondations présentent une épaisseur incroyable, 3 mètres à la base d'un mur de pavillon pour se réduire à 1,20 m puis à 0,80 m au niveau du sous-sol. Dans les soubassements, des ouvertures maçonnées furent pratiquées en arc de cercle pour donner encore plus de résistance à l'ensemble. Une grande allée centrale fut construite en face du sanatorium, permettant aux ouvriers d'accéder au chantier, mais aussi par un système ingénieux de voies ferrées de relier la halte du sanatorium aux différents points du chantier. Ainsi, les wagonnets pouvaient livrer les matériaux nécessaires à la construction du sanatorium. Quelques maisons furent édifiées pour les ouvriers du chantier. Devant ce plan de Mestras et Berger, on s'aperçoit de la complexité de l'ouvrage. Des dortoirs et infirmeries pour garçons et filles, mais aussi des salles de jour afin de bénéficier au maximum de l'air marin. Cet air marin qui était indispensable à la guérison des malades. Les services généraux du sanatorium étaient très complets, mais permettaient de se suffire à lui-même. Ainsi, nous pouvions trouver buanderie, brasserie, boulangerie, boucherie et même une grande chaufferie permettait d'amener de l'eau chaude via les souterrains afin de chauffer les pavillons, évitant ainsi les risques d'incendie. De grands réservoirs d'eau douce furent placés en dessous du sanatorium, permettant les bains et douches. Ces 8 années de chantier furent des années héroïques. Nombreux procès, malfaçons. Georges van Covenberg connaissait chaque pierre du sanatorium et on dit qu'il était tous les jours sur le chantier. La dernière réalisation fut la mise en place de la grille de l'entrée principale. C'est sans doute avec une immense satisfaction qu'au début du mois de juillet 1910, Georges van Covenberg accueillit les premiers malades au sanatorium de Zuidcote.